Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques. Il est placé à un endroit, d'habitude c'est les frelons européens qui se mettent. Vous savez, les fenêtres et le volet fermé, et entre deux il y a un espace. Et bien là c'est un gros nid de frelons asiatiques. On va pouvoir le voir à travers la vitre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller et je vais vous montrer tout ça. Et le nid de frelons est dans cette maison. Alors il faut que je passe ici, que je rentre à la maison, que je monte à l'étage et que je traite tout ça. Donc ça va être une belle vidéo. Allez, à tout de suite. Allez, je suis pratiquement prêt. Regardez, j'ai déjà mis une partie de la combi. Allez, je vais vous montrer ça. On va rentrer dans la demeure, regardez-moi. Voilà, on est dans la maison. Et le nid de frelon, il est juste là, au niveau de cette fenêtre avec le volet fermé. Allez, la porte d'entrée, elle est là. Allez, c'est parti. Et ouais, étonnant, un nid de frelons asiatiques. Voilà, c'est plutôt rare, en général, le frelon asiatique se met sous l'avant-toit. Voilà, il se prend pas la tête, il se cache pas. Et là, c'est bien caché, il a bien grossi de là. Allez, on va faire plus 2. On arrive bientôt au nid. On est au grenier, en fait, automatiquement, c'est un peu comme le grenier. Allez, on va fermer la porte. Allez, je vous montre ça. Je vais quand même poser le bibelot parce que je vais m'habiller après. Voilà. Voilà, là on est dans le grenier. Donc on n'y va pas souvent, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas vu de suite. Hein. Et en fait, le nid, vous voyez à la fenêtre, déjà on voit qu'il y a du monde. Qu'est-ce qui va se passer là? Il va se passer que je vais ouvrir une fenêtre. Déjà, il va y avoir de la vibration, donc risque d'attaque. Après, je vais ouvrir le deuxième volet pour avoir un peu plus de lumière. Et après, on va traiter. Mais dans tout ça, ah, on va avoir beaucoup, beaucoup d'attaques. Parce que là, il est énorme. Je vous annonce, il est énorme. Allez, je finis de m'habiller et on va traiter ça. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on va aller voir ça. Allez, c'est parti, on va essayer d'ouvrir la fenêtre. Je vous remontre encore un peu le nid. De l'extérieur, on peut en profiter. Si vous regardez bien ici, on commence à voir les galettes. Vous voyez les larves? Allez. D'ouvrir le volet.
Regardez-moi ça. Regardez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 galettes. Et ça, 7. 7 galettes. Regardez-moi ce monde. Regardez-moi comment c'est immense. Là, c'est l'attaque de l'attaque. Et là, je vais refermer un petit peu le volet. Je vais refermer la fenêtre, pas tout entièrement. Voilà. On va laisser les frelons revenir parce que là, il y en a qui sont rentrés dans la pièce. Donc, on va les laisser ressortir. Vous voyez, il y en a dans toutes les. Là, vraiment, c'est marrant. Piégé dans une toile d'araignée. Voilà, donc il y en a un peu partout. Ils vont mourir. Toutes les pièces, toutes les fenêtres, ils essayent de sortir, ils cherchent la lumière du jour, mais ils vont mourir. Donc il faut laisser faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit like, un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt les Dédés, parce qu'il fait très chaud. Quoi? T'es pas abonné à Dédé Frelant? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.